Bonjour à tous. La lumière pose un petit problème, mais nous allons continuer. Donc aujourd'hui, nous voulons avoir un panel très intéressant. Nous pensons que c'est le plus intéressant lorsque Céline y participe. Nous avons Céline Lazort. Vous êtes chef d'entreprise de MongoPay et Sébastien Bézin qui est chef d'entreprise également d'hôtel Accor. Quand j'ai tapé hier sur Google Translate, on a eu des problèmes de traduction, mais bien sûr, c'est Accor Hotel. Donc, nous nous sommes rencontrés, Céline, au début de l'année. On vous a donné le nom de personne la plus innovatrice de l'année. Vous étiez devant beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Sébastien ne l'était pas. Benjamin, Sébastien va revenir l'année prochaine. Si vous avez quelques astuces à lui donner pour l'innovation, alors bon, il faut être sélectionné. 1000 pieds a gagné l'année prochaine. Donc, Pilot Girls va peut-être gagner l'année prochaine. Donc, vous pouvez venir également dans la compétition. Donc, Sébastien, un petit mot sur pourquoi vous êtes ici. Combien de personnes entre vous sont venues et ont dormi chez Airbnb pendant cette conférence? Peut-être une vingtaine de pourcents. Combien dans un hôtel? Et combien dans un hôtel Accor? Très bien. Donc, à gauche. Ils travaillent tous pour Accor? Oui, tous ceux qui ont levé la main travaillent chez Accor, en fait. Donc, nous n'imaginons pas que le chef d'entreprise de Taxi7 de venir parler de l'économie collaborative. Donc, pourquoi êtes-vous venu? Je pense que nous en faisons partie. Nous n'y sommes pas contre l'économie collaborative. C'est un message pour vous tous. Je ne veux pas que quelqu'un sépare ou pose un défi ou lutte contre la nouvelle économie et la vieille économie. Je pense que ce serait stupide et irrationnel si nous devons accepter quelque chose chez la vieille économie ou adapter. Faites-en partie alors. Enseignez-nous, c'est l'avenir. Donc si quelqu'un y réside, si quelqu'un est contre ce changement, ils vont disparaître. En tant que chef d'entreprise, j'aimerais en faire partie, j'aimerais créer des liens, j'aimerais comprendre les difficultés, les changements et la seule manière de se faire est d'y participer. C'est très bien. Vous avez les mêmes raisons. Est-ce que vous pensez qu'il y a une opposition entre la nouvelle économie et la vieille? Non, je ne dirais pas une opposition. Quelques personnes le diraient, mais je pense que nous avons beaucoup d'apprendre, beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Il y a des choses bien à l'expérience. En français, nous respectons la vieillesse. J'apprends grâce à vous, j'apprends de votre expérience. Donc, je vous en remercie. Je n'ai pas toujours l'opportunité de partager l'estrade avec le chef d'entreprise d'une telle société. Donc, nous devrons participer. Sébastien, vous êtes arrivé il y a deux ans à peu près en tête d'Accor quand le groupe faisait face à des perturbations avec Airbnb et d'autres nouveaux arrivants. Quelles étaient vos premières idées par rapport aux grandes entreprises qui veulent acheter la concurrence quand ils n'ont pas les mêmes compétences? Donc, que vont pensez-vous des startups, etc.? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, la première chose à faire est de diagnostiquer ce qui s'est passé au cours des 12 dernières années, ce que nous avons manqué. J'ai eu 3 mois de réunion pour comprendre, etc. Donc, nous avons loupé 3 vagues, les agences de voyage en ligne. Nous pensions que ce n'était pas pertinent, mais en fait, ce n'est pas vrai. 5 ans
après TripAdvisor, Trivago, nous les avons manqués également. Nous n'avons pas compris les opportunités. Et puis ensuite, l'économie collaborative avec Airbnb, nous l'avons manqué également. Donc, je pense que nous aurons une quatrième vague, une cinquième vague. Et je n'ai pas envie d'être spectateur. J'ai envie d'être acteur. J'ai envie d'y participer maintenant. Donc, la deuxième chose qui a beaucoup à faire avec les raisons pour lesquelles nous les avons manquées, c'est que depuis 1960 et jusqu'à 2010, toutes les entreprises en hôtellerie ont pensé à deux choses seulement, le produit et les clients. Et nous déployons notre produit, notre marque, et nous l'imposons autour de nous. Donc, c'est pourquoi nous changeons, parce que tout ce qui importe maintenant, c'est le client. Ce n'est pas seulement les produits et les marques, c'est le client. Donc, j'insiste maintenant qu'il faut garder la marque, mais il faut surtout nous centrer et axer sur les clients. Il faut nous adapter à la demande, il faut nous adapter aux nouveautés. Donc, c'est pour ça que nous avons eu beaucoup d'expérience avec des nouvelles marques et nous les apprécions. Donc, si vous pensez à la marque, il faut penser également au-delà des clients. Pendant les 50 dernières années, mon entreprise voulait travailler avec les clients de mon hôtel et le travail était terminé quand le client partait. Mais c'est faux. Votre économie repose sur les points d'interaction que vous avez avec les clients. J'ai des points d'interaction avec les clients trois fois par an, ce qui est désastreux. Peut-être 12 fois par jour en Inde, par exemple. Il faut que ça passe de trois fois par an, trois fois par mois et trois fois par semaine. Et je ne pourrais pas le faire avec 300 millions de clients, mais je dois leur fournir quelque chose qui soit différent qu'un simple lit. Je dois penser à mon client si lui, il veut passer quelques heures à boire un café dans notre hôtel. Il faut fournir ce genre de service, ce n'est pas seulement des lits. Donc, nous devons accueillir du travail et développer des idées que nous n'utilisons pas aujourd'hui. Donc, il faut changer les points d'interaction, les services, rentrer dans de nouveaux domaines. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que Accor Hotel aurait dû créer Airbnb? Oui, oui, oui. Ma réponse est oui. Je l'ai dit, Airbnb, c'est une très bonne idée. C'est une idée très robuste. Airbnb a 7 ans maintenant, donc ils doivent s'adapter. Ce qu'ils feront, mais nous ne pouvons pas continuer à offrir les mêmes services et les mêmes prix que Airbnb. Certains d'entre vous vont passer du temps chez Airbnb et vous devrez le faire, c'est très bien. Mais les mêmes temps vont passer du temps dans mes hôtels pendant différents voyages quand vous serez avec d'autres personnes et qui auront d'autres besoins. Donc, ils ne sont pas contradictoires. Mais les personnes vont chez Airbnb parce qu'il y a plus de volume, il y a le meilleur prix, peut-être c'est mieux localisé. Vous avez parlé des vagues que vous avez manquées, que c'est passé tellement vite, que ces entreprises ont beaucoup de croissance très rapidement. Par exemple, Airbnb, en 7 ans, a beaucoup évolué. Donc, est-ce que vous allez poser un défi à TripAdvisor également? Une chose que j'apprends, et je pense que vous le savez également, que vous n'avez pas besoin de tiers. Expedia a 30% de part de marché. Airbnb va y rester. Et ce n'est pas une concurrence. Moi, je fournis un service. Airbnb est digital, numérique. Ce n'est pas le même service. Je ne parle pas des recherches Meta parce qu'ils n'en ont pas besoin de plus. Donc, j'aimerais inventer la première vague, la prochaine vague, mais je ne veux pas rattraper les trois autres que j'ai manquées. J'aimerais en tirer profit. Je ne suis pas contre de TripAdvisor, par exemple. Mais je dis, si vous allez... j'aimerais maintenant inventer la quatrième vague. Mais quelques personnes n'ont jamais entendu parler d'Accor Hotel sans Booking.com. Donc, ensuite, une fois que vous avez utilisé Booking pour trouver Accor Hotel, la prochaine fois, n'utilisez pas le même site. Venez directement chez Accor Hotel pour ces hôtels. Je vais vous donner le savoir et je vais vous assurer que ce sera un meilleur service si vous allez chez accorhotel.com. Quand vous écoutez
la stratégie économique agressive de Sébastien, est-ce inspirant pour vous? Est-ce pour ça que vous avez créé MongoPay il y a 4 ans? Je ne pense pas que ce soit agressif, je pense que ce soit intelligent. Il faut s'adapter au marché. Si vous n'adaptez pas, vous allez disparaître. Donc, je crois qu'il est très difficile, quand vous avez une si bonne entreprise, de voir des compétiteurs comme Airbnb qui arrivent sur le marché, qui ont beaucoup plus de valeur et qui ont seulement 7 ans. Donc, c'est très difficile à gérer, mais en même temps, je pense que la compétition, c'est quelque chose de très important, parce que c'est la seule manière de s'améliorer et d'améliorer les services. Si vous n'avez aucune concurrence, si vous n'avez aucune conférence, l'offre ne s'améliore pas, les prix ne baissent pas. Les taxis, par exemple, sont coincés depuis très longtemps dans un système qui ne fonctionne pas. Et ce qui est bien avec Uber, c'est que quand je prends un taxi de l'aéroport, j'ai un prix fixe, j'ai une bouteille d'eau et je peux charger mon téléphone. Donc la concurrence, ça fait du bien. Pour répondre à votre question, j'ai créé MongoPay parce que je pense que l'économie collaborative a besoin d'une solution de paiement qui est dédiée à nos besoins. C'est un paysage très intéressant qui se développe très rapidement, donc il faut fournir des solutions. Nous avions les connaissances pour fournir ce service, donc nous l'avons fait il y a 3 ans. Là, nous avons plus d'utilisateurs de plateforme, plus de 1000 utilisateurs dans 22 pays. Donc, ça se développe très rapidement et nous voulons permettre à l'économie collaborative de croître. Il faut bien sûr améliorer notre offre, le produit à chaque fois. C'est une bataille tous les jours qui ne s'arrête jamais. Le festival WeShare s'appelle Après la ruée vers l'or. Donc, vous parlez de la nouvelle vague. Est-ce que vous pensez que la vague de l'économie collaborative est déjà terminée? Ou est-ce qu'il y a encore de l'or à trouver? Il y a beaucoup, beaucoup d'or encore à trouver. Nous sommes encore au début. Est-ce que vous y croyez également? Je pense deux choses. D'abord, je vais le dire très simplement, vous avez une part du gâteau. Depuis les 50 dernières années, dans l'industrie de l'hôtellerie, le gâteau était partagé à 90% aux hôtels et 10% dans les agences de voyage pendant 50 ans. Et pendant les 10 dernières années, le gâteau est maintenant partagé à 5% aux agences de voyage, 25% aux nouveautés digitales et il nous reste 70%. Je suis convaincue que si je reviens en 5 ans, le même gâteau, les agences seront à 3% et j'aurai que 50% maintenant et vous aurez 47% pour les nouveautés. Donc, le facteur majeur pour moi est de pouvoir participer à ce changement du 25 au 43%. Je dois avoir de nouveaux services parce que mon commerce initial est bloqué. J'ai un problème avec les clients puisqu'ils partent à l'économie collaborative. Je perds des clients parce que je n'ai pas pu réagir à leurs nouveaux besoins. Je ne les ai pas remarqués. Ensuite, j'ai un problème de marge. Je paye encore plus d'argent à Google, à Booking, à Expedia et je dépends plus d'eux qu'auparavant. Donc, ça requiert une nouvelle raison, une nouvelle solution. Je dois trouver une solution à ce problème de marge, mais chaque trimestre, les plateformes digitales utilisent les risques et ne sont pas au même stade que moi. Donc, j'ai besoin de faire beaucoup de formation, de parler à mes investisseurs, aller au cadre. J'ai besoin d'être audacieux et d'oser utiliser les initiatives. Je sais que ça ne payera pas dans les premières années, mais dans 5-6 ans, ce sera très profitable. J'ai 230 personnes d'employés qui doivent s'améliorer également. Nous avons 50 ans d'expérience et nous n'adaptons pas assez rapidement à l'économie collaborative. Donc, ça prend plus de temps à évoluer. Donc, il faut mélanger
mélanger et savoir qu'est-ce que vous allez dépenser pour acheter quelqu'un ou de développer vous-même, mais votre commerce initial sera toujours là. Par exemple, pour Airbnb et quelqu'un autour de moi, aucun d'entre eux ne veulent être orientés vers le capital ou le travail, mais ils ont besoin de moi pour rester vivant. Puisque je distribue les offres qu'ils n'ont pas. Donc, ils vont prendre... voilà, je ne leur donnerai pas le plaisir de pouvoir profiter de mes pertes. Nous mettrons cette vidéo dans 3 ans également pour voir si vous avez eu raison. Donc, ils ont parlé beaucoup de finances et vous avez changé votre modèle de votre modèle économique il y a quelques mois. Donc, pourquoi vous l'avez fait? Quand vous créez votre propre entreprise en tant qu'entrepreneur, je pense que votre but principal est de trouver le meilleur partenaire à chaque fois pour vous aider à croître. Donc, quand j'ai commencé à plusieurs investisseurs de financer l'entreprise. J'ai eu des investisseurs très, très aimables, comme VC et Edernest. ElectroSoft, donc j'ai eu des vice-présidents et des chefs d'entreprise très, très aimables qui m'ont beaucoup aidé. J'avais 26 ans quand j'avais commencé, donc je ne m'y connaissais pas vraiment sur les problèmes comme l'URSSAF, comment faire croître l'équipe, comment embaucher des personnes. Donc j'ai pu beaucoup apprendre des investisseurs. J'avais des personnes qui me donnaient beaucoup de. Qui me posait beaucoup de défis, qui me poussait, qui m'encourageait, qui me disait il faut faire mieux, il faut aller plus vite, il faut vous faire confiance. Donc, c'était une bonne manière de me former. L'entreprise a pu croître, nous avons eu des investissements, nous avons pu avoir 7 millions d'euros pour le financement. Pas vraiment beaucoup pour avoir un service financier et technologique, mais quand nous avons commencé, le fintech n'existait pas, le mot fintech n'existait pas et maintenant c'est un thème très répandu. Nous sommes arrivés avant cette tendance, mais nous sommes partis sur cette vague. Il y a plus de 5 millions d'utilisateurs sur les sites comme cela. Le service se répand très rapidement. MongoPay a 1000 plateformes. Sur le marché européen, nous avons doublé l'argent que nous gérions et nous croissons plus rapidement que notre plan commercial. Donc, il faut toujours chercher le meilleur partenaire pour l'entreprise. Il y a quelques mois, l'entreprise a été achetée par Crédit Mutuel. C'est une petite banque. Donc, nous pensions que nous avions les mêmes idées, les mêmes objectifs. Ils avaient une très bonne offre pour la valorisation et nous laisser indépendants, autonomes, parce que je voulais vraiment atteindre le but que j'avais initialement. Nous ne le faisons pas pour l'argent. Quand vous êtes entrepreneur, vous le faites parce que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Donc, il faut vraiment gagner cette bataille. Donc, c'était les meilleurs partenaires pour nous, pour l'argent, pour les marques et les technologies qu'ils ont pu nous fournir. C'était quelque chose d'important à considérer. Pour les fintechs et les banques, ils doivent travailler ensemble et vous aurez le meilleur de la banque si vous gérez cette partie de la bonne manière. Donc, j'ai à vous expliquer que nous ne sommes pas forcément en opposition. Il y a beaucoup de technologies qui se développent, donc c'est quelque chose de très nouveau. J'ai pu développer la société de cette manière. Sébastien va expliquer très rapidement sa vision. Vous avez parlé du refinancement. Qu'est-ce que vous avez appris de l'économie traditionnelle, de la perspective humaine? Ce matin, je suis désolée parce que un journal a publié quelque chose sur la gestion de Free et c'était un peu comme Amazon.
plus Zola plutôt qu'une entreprise vraiment libre. Donc, qu'est-ce que vous apprenez de ces chefs d'entreprise? Vous pouvez apprendre comment embaucher des personnes, comment construire votre vision. Quand vous débutez, vous avez des rêves et ensuite vous vous rendez compte que cela va coûter beaucoup plus que vous ne l'aurez pensé et cela va prendre beaucoup plus de temps. Donc, il faut vraiment être très fort et l'accepter. C'est ce que je cherchais à apprendre des cadres. Je cherchais à qu'ils me soutiennent. Même si l'expérience peut être transmise, c'est moi qui vais commettre mes propres erreurs. Ils m'ont dit, faites attention, j'aurai des erreurs. Donc, c'est ce que j'essaye d'apprendre, mais les cadres, ces chefs d'entreprise me soutiennent et m'aident à apprendre. Ne dites oui. We are sharing the panel, so I'm looking at Wilson, are you? You actually kind of have like maybe a little gray hair. No, she's fine. Sebastian, everyone. It's because I'm learning. Donc j'apprends et l'expérience me viendra ensuite. Les groupes français parlent de l'enseignement renversé. Donc pourquoi l'avez-vous fait et pourquoi qu'est-ce que vous avez appris? Donc, nous discutons avec la gestion du talent. Nous avons dit que j'avais diagnostiqué ce qui s'était passé et pourquoi nous avons manqué tellement de choses. C'est avec ces discussions que nous nous sommes rendus compte et que nous avons pu voir qui c'est qui est derrière toutes ces initiatives digitales. Est-ce des personnes différentes de nous? Et la réponse est oui. 90% de toutes les plateformes digitales de mon industrie ont été établies par des personnes qui ont moins de 35 ans. 95% des personnes ont commencé avec une feuille blanche et basée sur la technologie, donc 90%. Et ils avaient décidé que les compétences importées, que le client était global. Je fais partie d'une entreprise qui a 50 ans. Bien sûr, je ne peux pas commencer avec une feuille blanche. J'ai des procédures, des habitudes, des normes, des règles, des standards qui est géré par les personnes qui ont plus de 50 ans, et moi compris. La technologie, nous avons une bonne technologie qui marche dans plusieurs pays, mais je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'ils pensaient que nous devrions faire. Nous imposons plutôt. Et quelqu'un m'a dit une fois qu'il fallait que je comprenne que les plus jeunes savent ce qu'ils veulent et ils le veulent tout de suite. Et si ça n'existe pas, ils vont l'inventer. Donc, j'ai dit à Arancha des ressources humaines, nous devons nous adapter. Donc, pourquoi ne créons-nous pas un comité exécutif à l'ombre? Et j'ai demandé aux 12 membres de ce comité de mettre une fille et un garçon qui ont moins de 35 ans. Et nous avons sélectionné les meilleurs. Nous avons trouvé 7 filles et 6 garçons. Et sur mon comité, il y a 11 hommes et 2 femmes. Donc, c'est très intéressant d'avoir plus de femmes que d'hommes. Et nous avons décidé que tous les thèmes, les informations confidentielles seront disponibles et totalement transparents pour ce comité exécutif. Ils vont connaître tous les chiffres, ils vont pouvoir critiquer, changer et d'observer, me donner des solutions. Donc, nous ne prendrons aucune décision sans avoir d'abord écouté ce que les plus jeunes auraient fait
avant. Bien sûr, je prendrai la décision finale et je peux vous garantir que je vais vraiment les écouter. C'est une révolution. Nous avons beaucoup plus de comités exécutifs comme ça à côté. Donc, au final, c'est une question de comprendre la différence majeure. Quelqu'un qui a 22, 25, 30 ans peut prévoir l'avenir qui est beaucoup, beaucoup mieux que mes manières de prédire. Donc, ils n'ont pas mon expérience, ma sagesse. Donc, si vous créez une intelligence collaborative, tout ce que vous avez dans vos organisations que moi, je n'ai pas, puisque vous avez commencé avec rien, vous avez une organisation plate. Vous n'avez pas quelqu'un avec 35 ans d'expérience qui a le meilleur bureau avec deux fenêtres, par exemple. Vous comprenez, vous vous parlez. Chez moi, il y a une organisation très hiérarchique que nous imposons aux personnes puisque j'ai 35 ans d'expérience. C'est ridicule. Il faut que ce soit plus équitable et plus plat. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'ils ont commencé avec une feuille blanche. Mais si vous avez de l'énergie, du plaisir, si vous comprenez la vieille économie, vous pouvez survivre. Si nous voulons croître rapidement, il faut s'y mettre tout de suite. Nous avons plus beaucoup de temps. Quand vous écoutez cela, Céline, peut-être avez-vous quelque chose à lui dire ou quelque chose à lui offrir? Oui, je pensais justement, vous devriez venir chez moi et moi j'irai chez vous, à votre comité exécutif. Oui, très bien. Merci. Merci à vous deux. Thank you all. We're having a break.